Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, trois looks avec la Norvina volume 1. Donc, j'ai eu cette palette en tant que cadeau de Noël de la part de ma petite Manon pendant notre swap. Je l'ai déjà crash testé, donc je vous remets le crash test juste ici. J'avais déjà fait un make-up. Et je vous avais dit que je ferais une palette 3 looks. Après, il y a possibilité de faire beaucoup, beaucoup. Hein, mais voilà. Donc, elle est très dure à ouvrir. Donc, pendant le crash test, j'avais utilisé plus les mauves et les roses. Et là, je me suis dit, je vais me concentrer sur à peu près la rangée ici en bas. Donc, comme d'habitude, une palette 3 looks, ça sera donc en musique. Donc, je vous laisse tout de suite avec le premier make-up qui est celui-ci. Je vous laisse tout ça en musique et on se retrouve à la fin pour un bilan un peu plus poussé de la palette puisque je l'aurai déjà utilisé plusieurs fois. If I thought I'd never make it, but here I am.
Et donc voilà ce qui conclut ces trois looks avec cette palette. Ah, attendez, je la chope. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des trois vous avez préféré. Mais voilà, voilà. Donc, petit bilan après plusieurs utilisations. Je suis toujours autant choquée par la pigmentation de la chose. Maintenant, c'est clair que comme c'est des pigments pressés, c'est le but même que de la superpigmentation, c'est des pigments. Voilà. Toujours pas conseillé pour les débutants. Si vous commencez à vous maquiller, évitez parce que c'est déjà des teintes assez dures à travailler et c'est des pigments qui sont encore plus durs à travailler. Donc, même moi, j'ai fait des tâches, quoi. Voilà. Bah après, c'est parce que j'ai la base Pélouise en dessous. Il faut vraiment que je la termine, cette base, parce que je l'ai pas. Voilà. Sinon, j'ai mis en faux cils les Silky Lash de W7, que j'aime beaucoup, que je vais devoir enlever dans 5 minutes. Et j'ai mis le Pillow Talk de Charlotte Tilbury sur mes lèvres. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si jamais cette vidéo vous a plu. Ça fait toujours plaisir. Également, à vous abonner si jamais vous venez de tomber sur cette chaîne par hasard. Sur cette vidéo, par le plus grand des hasards. C'est gratuit, ça coûte absolument rien. Et moi, ça me fait super, super, super plaisir. Et donc, on est content. Et en attendant mercredi, qui sera la vidéo du swap. Voilà, en attendant mercredi, moi je vous dis bisous bisous.